Salut! Salut YouTube! C'est Kiro. C'est Kiro. Où tout le monde essaye de spam. Du spoil et du backseat. Merci Perlin Pépin. Nadesan. Diode 380 et couscous de phoque. Pour les primes. Oui, donc, alors, on était là, on était proche du temple de Senpo, il y a notre ami là-bas qui veut qu'on l'exécute, mais on ne peut pas encore, parce qu'on le sait grâce aux spoils. Donc là, mon but, si on en croit Ishin, le vieux man à qui j'ai parlé, c'est... je sais plus. Faut trouver la lame de la mort de Seymour. Est-ce que j'ai donné... Je vais donner le saké au vieux du début. Je sais pas si ça a été fait. Le saké que m'a offert Ishin, justement. Attendez, j'avais deux choix au début, tour supérieur. Comment ça? Merci Elravine. Ah d'accord, considéré comme lieu important. Oui, j'ai pas reparlé à Kuro après avoir parlé à Ishin. Me semble. Ah, j'avais déjà donné l'alcool. Ah, incroyable, c'était ça donc la 3, lance chargée. Déchaîne des attaques des stocks à longue portée, les ennemis légers touchés par l'attaque sont attirés vers l'utilisateur, peut même retirer les armures. Mais c'était déjà le cas. C'est juste que maintenant je peux préparer ma lance et charger avec. Déchaîne des attaques des stocks. Charger la puissance du mécanisme à ressort permet de déchaîner une puissante attaque fendoir. Genre comme la hache. Ouais, mais bon, je suis censé enlever des armures quoi. Et ça, c'est censé le faire depuis le début. Donc ma vie, c'est de la merde. Et c'est quand j'ai aussi acheté un truc à 3000 balles avec les papillons de lumière, c'est peut-être ça. Il faudra d'abord investir dans d'autres choses. Ah non, le kunai du papillon. C'est ça? Oui. C'est ça le truc que j'ai acheté trop cher. Oui. Ah mais il me faut des matériaux que je n'ai même pas encore et il faut d'abord que je débloque... Ok. Au secours. Ah super rage éclair, yes. Merci Kiwotsu Omega Tits pour les primes. Ça va être une VOD chiante hein. Faut qu'on comprenne ce qu'on doit faire. Allons reparler à Kuro, sinon jamais. Ah là on va se faire chier, ouais, y'a pas de soucis. Merci CDS46 pour le sub. Quoi? Comment ça il éternue? Il est pris de la toux, c'est mort lui aussi? Trouver quelque chose, j'ai ouvert la bibliothèque. Yes! C'est bon. Oh,
鍵になり得るやもしれぬ。そう仰せでした。不思議。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の高きの手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやら武尊様が戦況に帰るため調べていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花だな。Ah non, pas encore. Mais le moulin à vent de ses morts. Montrer la goutte de Sakura. Miko-sama, kochira. Korewa moshiya. C'était. J'ai eu ça où? Je ne sais plus moi. Sorewa. Ryuin no. Fushi no keiyaku ga narazaru toki. Hikikai ni nokoru mono to iu. Takeru-sama ga nokosareta mono de shou ka. De arou na. Okamiyo. Moshi nozomu no naraba. Kono sakura shizuku mo mata sonata no chikara to shiyou. Ah, c'est toujours les mêmes embrouilles parce que ça j'ai bien compris qu'il y avait des choix moraux. Ah, mais moi je suis réglomane. Non, garde-la, je suis ton esclave. Arigatou. Wakatta. Mai o tojite ka. Ah, merde. Mais non, mais quand je disais donner, c'est pour que lui la gagne. Traduction, c'est mort. Mais... Oh... Bah voyons, c'est la faute du traducteur. Bah disons que c'est pas la première fois qu'il y a une faute de traduction, mais si vous êtes des connards, pas de soucis, je peux tout à fait être un connard encore plus puissant. Très bien. Ok. Une autre suite de Kuro écrite par Takeru. Très bien. Les parents de Tomoe avaient trouvé le parfum de la source et s'étaient rendus au palais. Vous pourrez trouver une clé là où les eaux de Jouvent se rassemblent dans un bassin, une fleur blanche et très parfumée. Putain, mais je voulais pas, moi, d'un truc de résurrection en plus. Je voulais faire le choix good guy. En plus, c'est un jeu qui sauvegarde tout le temps, là. Je peux plus annuler ce qui vient de se passer. Putain. Kore wa Takeru-sama ga nokosareta mono da. Senkyou ni kaeru tame Minamoto no kouki nitsuite shirabete ita no daro. Kono ashina o tsuranuku Minamoto yori nagare izuru mizu. Sono mizu ga koku tamatta basho de saku shiroi hana nitsuite kakarete iru. Dou yara sore ga Minamoto no kou no hitotsu de aru yō da. Minamoto no mizu ga koku tamatta basho. Fukai keikoku nado de shou ka. Naruhodo. Naraba. Ah. Encore. Putain. Ano tani ni wa Minamoto no mizu ga nagare konde oru hazu. Sono ochida ni wa izuku ni. Shiro no urate no hayashi. Oui, c'est bon, on a débloqué, on a tout fait avant de le voir. Shirohebi no oyashiro. Kotoba no tōri, soko kara ochita tokoro ni ochida ni wa aru. Matomo na michi wa tsunagatte oranu ga. Putain, mais fais chier, je voulais pas. Ça va rendre le jeu plus facile par contre. Miko-sama, kochira. Kore wa Minamoto no kou o motometa mono ga shirushita shomotsu ka? Hai. Kouki o hanatsu ishi ga matsurareta mura. Daga, sono youna mura kiita koto ga nai na. Ashina no soko to arimasu. Sou ieba, Tsukimirou no katawara no Oyashi ga otosarete ita ano ido zoko no saki ni soko no shirenu fukai ana ga aru to kiita koto ga aru.
あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。Attendez, parce que ce puits. わかりません。確かによくは思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。Faire Alt F4. On va vraiment faire subir ça à YouTube. Alt F4. La musique a mis du temps à se fermer. Je suis sûr que ça m'a sauvegardé quand même. Petit Alt F4. Excuse-nous YouTube. À mon avis, c'est mort. Hein. C'est pas des jeux de l'arnaque, normalement, les jeux From Software. Il est possible que vous ayez quitté le jeu sans sectionner d'abord quitter la partie. Pour éviter tout risque de perdre votre progression. D'accord. Mais du coup... Quand a-t-il sauvegardé pour la dernière fois ? À mon avis, c'est mort. Ah oui, il a sauvegardé avant que je réponde, je ne sais pas. Ah oui, il sauvegarde tout le temps, quoi. Ok. Hein ? Parce que moi, le... Ouais, bah, j'ai trois trucs de résurrection maintenant. Vague odeur de fleurs de cerisier. Très bien. Parce que là où on a trouvé la zone où il y avait le lancier de merde, c'est là où on a trouvé la note qu'on lui a donnée. Mais le fameux puits, je l'ai jamais vu. La clé d'un hôtel qui se trouve dans le fort au canon. Elle permet d'ouvrir la porte qui se trouve derrière l'hôtel. Oui, bien sûr. Derrière le mec vénère aux griffes qu'on a tué là. Qui m'attaquait sans relâche. Les fusils des yeux du serpent sont particulièrement dangereux. Ces femmes ont des yeux spéciaux. What? Ok, bon bah génial, j'ai plein de pistes. Miko-san. Oh, そうか。はい。何やら。聞く、そして。On dirait de la chure。かすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて、少し違う。どうした、狼。あの香り、どこか。Sentait la merde。嗅いだことがあるのか。おそらくですが、思い出せません。キャビネ。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。Oh là là, bon alors, retourner, se jeter dans le trou sans fin du puits. La clé de l'hôtel, du truc à canon, le cerisier derrière le château. そうですか。ゲイチロ殿。それは何だ?落ち水の中でも、特に濃いものを、そう、あなたもご覧になったでしょう。落ちの折を口にした者は、当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど、あれは、もともとは我が師、道元調べた書も薬も、焼いて捨てたと聞いていました。私の兄弟たちの誰かが持ち大方道順あたり、九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助け、かたじけない。まるで今生の別れのよう。Okay. 私は主の命も果たしました。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。あ、え、elle、je peux lui filer le saké non affiné、mais pas au vieux。alors、je comprends plus rien。あ、jeu de ces mots。また。
Ok. Putain, je vais avoir le bad ending, j'en suis sûr. Oui, d'accord, du coup elle sera plus jamais là. Watashiwa, Watashiwa. Ok, alors cerisier derrière le château, bah non, bah, on va aller au fort au canon. Hein. Là, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs endings. Ouais, non, mais ça, vous savez, hein. Les spoils, ils sont infinis. Merci Avni, Binouz, Frosten Eye, Gigi Lalouse, Duxan. Merci pour les subs et les primes. Merci. Oh non, non, non. Pour les trois siècles et fesses de lynx pour le siècle. Merci beaucoup. Donc oui, ici on a battu Jackie le dissident et on nous informe donc. Alright. Cool. On n'est pas bloqué. Pas encore. C'est exploitable ça, c'est une vraie plateforme. Je commence à le prendre. Ouais, y a... et à lui sucer le derrière. Oh. Le serpent de Seymour. Ça va partir en couille, ça va partir en couille. Au secours. Mais j'aimerais juste que ça cesse. Très bien. C'est pas très convivial, hein. Morceau de minerai. Sale bête. Oh putain! Shipper, arrête de shipper! Petit con, va! Ok. Il y a un singe là-bas. Il y a du loot surtout. Il est où le singe? Il est là, il est pas content. Bon là les pauvres, je suis arrivé ici avec beaucoup plus de niveaux que prévu je pense, donc bonjour. Quoique non, il fallait battre le boss vénère avant quand même, enfin le demi-boss avec ses griffes. Donc là c'est juste que c'est du mob gratos. C'est prévu. I suppose.
On prend des mecs. Et surtout, je vois du loot. Et ça n'a pas de prix. Allez, 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 allez. Un petit effort. Ils ont pas d'argent, salaud. Ok. On va essayer de regagner les mains, hein, du coup. Ah oui, d'accord, ils sont mobiles. Allez, reviens là, fiefé coquin. C'est quand même con parce que on n'a jamais utilisé les attaques spéciales avec LB et RB, alors qu'il y en a genre 10-15 à débloquer. Juste parce que j'ai pas envie de les déclencher par erreur et corrompre ma garde, ma pose défensive. Alors qu'a priori, il y en a des bien craqués. Ne serait-ce que le coup vertical super violent là, qu'on m'a vendu, et à mon avis, ouais, il doit être pas mal. La Strata Alt F4 n'a pas fonctionné. C'est foutu. J'ai consommé la goutte de Sakura alors que je voulais la donner à mon maître. Je te sais mort. Putain, pas eux, bordel. Je les déteste. C'est pas une super nouvelle pour moi. Bon, t'es du loot, hein. Merci Shinsama qui offre un sub tier 3 à Mehmet371, merci beaucoup. Shinsama qui offre également moult subs. Oh là là, mais combien? 10 subs, merci énormément Shinsama37. Il offre 10 subs à la communauté, merci Shibrazer, couche d'ozone pour les primes. Merci. Merci Dogeek pour le sub tier 2. Quel moment exactement tu bloques? Bah pour l'instant je bloque pas. Oh là là! Oh non! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont beaucoup trop! Too many! Qu'est-ce que c'est que cette armada de singes? Ça va très mal se passer. Si seulement j'avais le shuriken des papillons de lumière. Si j'avais pu le débloquer. Ça se trouve, ça faisait multi-target. Bon, allez, hop, hein! Ah, ce massacre d'une lâcheté exemplaire! Mais j'en ai plus que 4. C'est la fin d'un rêve. Alright. Non, arrête de faire le ouf. Déloque, déloque. Bois. Cours. Oh!
C'était pas prévu ça. Oh! Ah bah super! Attendez, mais je rêve ou je suis pas mort de chute? Enfin, je suis pas mort de... C'est le vide. Je suis mort parce que j'ai pris trop de dégâts. C'est exploitable en bas. Oh là là, les casse-couilles avec les fu- Ouais, ouais. C'est mort, c'est mort. Mais tue-le. Ok. Caméra. Caméra 8, caméra 1. Tout va y passer, hein. Quel alcool de Saint-Gies. On se souvient, on en avait filé hein. Au vieux du début, ça lui rappelait des drôles de souvenirs. C'était douloureux, hein. Ouais, donc c'est bien ça, y'a... Y'a moyen d'aller tout en bas, là. Avec les divers arbres. Mais attendez, il y avait pas. C'était quoi le délire là où les sources se rencontrent Monsby. C'est plus. Cool, sauvegarde. Faut juste pas tomber. Je ne sais pas du tout si je peux utiliser ça comme plateforme, cette espèce de pseudo-corde de mort. Attention, la réponse immédiatement. D'accord. Oui, c'est vrai qu'elle est à fond dans le riz, ouais. J'en ai pas. Ok. Et par là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce Yeti à des marécages? Le plan cul. Attendez, j'ai 500 balles. Y a pas de petit.
Pas de petites économies. J'ai combien en expérience? 4? Ah, c'est trop con. 5, ça me permettrait à... d'augmenter la puissance de la gourde. Maximum d'emblèmes qu'on peut transporter. Passif, vieux Shinobi augmente les dégâts infligés à la posture quand t'as contre Mikiri porte. Ouais, c'est ça que je veux là. Quoi ça? Toujours les maximums d'emblèmes, ouais, c'est indiqué de toute façon. Okay. Ah non, c'est ça que je veux. Je vais prendre le contre. Est-ce que je dépense mes 500 balles? Je vais pas faire un aller-retour, allez tant pis. Je vais pas faire l'aller-retour pour investir dans des bourses. Je vais choisir de me faire punir. Alors c'est intéressant, il y a plein de trucs pour... visiblement grappiner en pleine panique. Mais il a un sabre et sur lui. Waouh waouh waouh. Ok, shop. J'essaie juste de comprendre un peu les patterns, mais... Ah merde, je l'avais là! On me proposait de le... Ok, ok, cool, 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 cool. J'avais moyen d'utiliser le grappin sur lui et je l'ai pas fait. Mais bon, ok. C'est pour lui filer un coup gratos tous les 55 ans. Mais bon, c'est rien. Hein. Dur.
n'a jamais voulu attraper, alors qu'il y avait deux trucs à proximité. J'ai kiffé. Superbe. Ouais, ça va être compliqué, hein. Intéressant. Mais il y a beaucoup de phases où il est vulnérable. Hein. Le souci, c'est comment s'en sortir. Ok, on verra ça plus tard. J'y ai cru. Paf. Comme une vieille zozise. On va essayer de trouver un endroit plus adapté pour chuter. Ouais, j'ai ma lance à longue portée, mais le temps de la charger, et puis bon, c'est des... J'y ai pensé, hein, j'ai fait un coup au début. Et c'est long à charger, ça utilise des emblèmes, donc... Mais je peux plus rattraper cette corde de mort. Là-bas qu'elle me disait sinon, tu as un saut de la foi ? Saut de la foi ! Ah, j'ai spammé L2, mais je devais être trop loin. Pour avoir ces trésors là sans crever comme un caca. Il y en a au fond aussi. Je suis intrigué. Ouais, t'es vénère toi. Sérieusement ? Ça vénère. Si
Si c'est l'ennemi de base ici, je suis moyen ambiancé. Hein. Ah cool, un marchand. Ah toi, tu vends peut-être des gourdes, non? Le marchand d'offrande. Ça. Non. Quoi, la gourde verte? Merde. La gourde se remplit quand vous reposez. Elle réduit le niveau de poison accumulé dans le corps. Ne sonne pas une altération d'état. Poison. D'accord. Ouais, c'est chambé en fait. On peut acheter. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on propose une gourde spéciale. On peut acheter des gourdes pour toutes les altérations d'état qui comme la gourde médicinale, hein, se remplit à chaque repos. C'est assez puissant, ouais. Ok. Il y a une vraie pause dans le jeu, ouais. C'est vrai, bah justement parce qu'il n'y a aucun support multijoueur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Y'a pas de sauvegarde ici? Avant d'aller dans ce superbe point d'eau chaude. Y'a pas moyen de revenir sans crever comme un caca, si par là. Vu qu'il y avait une recharge d'emblème là au-dessus. Bah quoi que non, ça c'est pas clair. Bon bah allons-y hein. Ça pue la merde. Oh putain! D'accord, et stop. Mais sérieusement? Ah, le serpent! Au secours! Et là, c'est quoi? Ah. T'as encore les déco. Non, 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 c'est. Non, mais c'est bon, putain! Connerie! Quoi, empoisonné? Mais de quoi? Bordel de merde. Oh non. Au secours! Putain. Quel est mur, c'est le plan cul, tout est un plan cul.
J'espère qu'il y a un point de sauvegarde parce que j'ai plus de soins quoi. What? Au secours. Très bien. Mais on fait recommencer tout au début là. Poisonné. Eh bien meurt. J'ai adoré cet endroit. Et 4600 spoils par seconde. Ah c'est exactement pour ça que je regarde plus le chat hein, mais peut-être que... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modos mais... N'hésitez pas, sinon bannissez à tour de bras, peut-être que à la fin du let's play, quand on sera avec 5000 personnes de banni, on pourra regarder le chat à nouveau. Ok, alors. Du coup, lui, c'est mort. Le serpent au secours. Reste plus grand chose, hein. Objet là-bas. Ouais, ce truc avec une outline chelou là, une ligne blanche. Ah merde! C'est donc un ennemi. On avait l'air d'avoir une interaction possible. Quoi? Putain, mais ce locking tout claquos là. Mais t'es sérieux, mec? Ok. Arrête de locker. Fais quelque chose de ta vie, merci. Vite, mais. Allez, maintenant, il n'y a plus que toi. D'accord, c'est pas de la merde, ce jeu. Merci à tous. Balayage. Au secours.
J'ai essayé de me soigner. Putain. Ok. Bon, c'est bon, maintenant on a compris qu'on allait se faire arnaquer. Il y a moyen de l'exécuter directement, je pense. C'est donc ce qu'on va faire. Alors. J'ai fait ça, mais je voulais pas vraiment le faire, mais je l'ai fait. Lâchez-le. Si on peut totalement esquiver l'autre encore, ouais, c'est cool. Tu voudrais bien bouger de là, s'il te plaît, merci. Merci à lui. Quelqu'un visiblement. Chier. Right. C'est plus pratique quand même, quitte à prendre un peu de dégâts. Enfin, tout ce bordel, c'était pour de la poudre jaune au final. C'est pas dingue. Allez. Ouais, mais le donc là j'ai le choix entre la peste et le choléra en quelque sorte. J'ai le choix entre le serpent de ses morts ou le yeti possédé. Et bah c'est bien.
Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit dans le puits où t'étais mort, les deux sources, machin, les sources de jouvence qui se croisent dans un bassin? Que le réservoir d'Ashina, c'est là où j'ai trouvé la note, mais c'est là, soi-disant, près du grand puits où j'ai été jeté, mais il faudrait que je me rejette quelque part. J'ai ces notes, non, dans mon inventaire. Quoique, non, pas forcément. Y a pas vraiment un journal de quête, hein. Objet clé, fragment Genichiro. Mais non, mais ça c'est fait. Assassin du temple Senpo. Ouais, temple Senpo, je l'ai fait depuis de temps. Ah, ça se trouve, j'ai tué plusieurs rats pour le Tengu. Ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Ça, c'était au début, ben, parfait. Oui, au tout début. Oh, je me souviens plus, au tout début, on commence direct chez les vieux. Parce que le tout début, ouais, c'est à ce moment-là, la première zone, qu'on a du stealth en mode pourri, et ensuite on a frotté le boss, on se fait tuer. Ok. Merci Aquaman Gaming pour le host il y a 8 ans. Désolé, j'avais pas vu. 57 minutes. On va juste aller voir vite fait notre ami. Au secours. Notre ami le Tengu. C'est une récompense à les prendre. N'empêche, là, si j'ai une perle, j'augmente encore mon endurance et ma barre de vie. Et c'est toujours le bienvenu. Je vais donner un avis sur le jeu pour l'instant. C'est un bon jeu, sauf que je trouve que ça spoil beaucoup. Ça backseat beaucoup avec ce jeu-là. Ah non, non, moi j'adore. Hein. Moi j'adore les jeux de samouraï et de ninja. Et en plus, là, c'est à la sauce Souls. Ah, il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, des ninjas. Des ninjas violets ont essayé de tuer le Tengu. À l'entrée de la vallée engloutie, tant d'activités près de l'hôtel du grand serpent, le Tengu doit s'occuper des rats. Mais en fait, je pense que ouais, j'avais envie de faire ce jeu et je suis content de le faire. Mais je pense que je vais trouver les Souls nuls. Voilà, ça c'est dit. Parce que ça, c'est vraiment ce que j'aime bien et ce que j'avais bien aimé du peu que j'ai touché à Bloodborne. C'est-à-dire, les Souls, ça a l'air rigolo, mais ça a l'air d'avoir une sacrée dose de Temesta dans le cul, quoi. Alors évidemment, ensuite, c'est de l'esquive à la frame, hein, et souci, et compagnie, y a pas de souci. Mais Bloodborne et Sekiro ont l'air plus nerveux à première vue, et donc c'est beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus qu'un jeu finalement où on va se traîner le cul à travers des endroits badants et juste devoir réagir à la frame sur certains boss fights. Mais ça se trouve, ça sera cool, hein. L'hôtel du grand serpent. J'ai retrouvé mon pote le Tengu. Wow. Merci mes arrières pour les 1500 bitcoins. Ah mais il est là. Oh mon dieu. Salut mec. Oh Sekiro. Oh Sekiro. Cool. Naïf no nezumi domo yo. Koyatsura. どこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。Alors, c'est-à-dire que j'ai rien acheté. まだ足りぬわ。セキロよ。
Sarani Kiri. Ah merde. Mais le temple Senpo, il considère pas que je les ai tous tués? Oh, quelle vie. Parce que Senpo, on était doublement bloqué. D'un côté par... par le chevalier en armure. Incassable. Et ma lance n'y fait rien. Et sinon... sinon, il y avait la TP vers le combat fantomatique de ses mains. Ok. Ah non, c'est plutôt à la tour supérieure ou... Je veux juste voir si c'était un gros délire parce qu'ils ont quand même beaucoup insisté sur... Oui, le cerisier de ses morts. Parce que là, on est devant le château Ashina. Donc là, je fais une connerie. C'est derrière, soi-disant, qu'il y a cette histoire de... Et derrière le château Ashina... Vieux tombeau, c'était en dessous. Que la première fois où j'avais fait j'avais speedrunné à travers les toits et comme main con que j'avais loupé la tour supérieure, j'étais passé derrière. Je pense que c'est ça. J'avais rushé pour fuir. Ok. Donc là, on est plus ou moins derrière le château, hein, me semble-t-il. Ici, j'ai le lancier et quelques sbires. C'est peut-être là-bas que ça se passe. Et le pont qui mène chez l'autre con. Ça, c'était un endroit qui était vastement inutile. Ouais, bah là-bas, c'est là où j'avais tué le... C'était un samouraï mid-boss de ses morts. Ah oui, il y a lui qui me vendait des trucs, tiens. Pour aller le revoir. Et donc une odeur de cerisier m'indiquait à Jackie et Michel. Mais en fleurs, hein, parce que là-bas il y a un arbre, on a un fou de cet arbre-là. Pourquoi ici c'était ouvert? Il y a un mec là, non tout de suite. Quelque part peut-être. Il y avait une tombe, ouais on s'en fout. Je vais juste faire un tour rapide de cette zone. Oui, il s'observe, c'est génial, c'est super. Mais je peux pas revenir, je peux pas revenir en fait. J'étais tombé là en panique quand j'étais en fuite pour quitter le château. Je me souviens pas du tout en fait. Mais ça c'est les idiots que... Oui. Ah, je suis en train de m'ambiancer tout seul pour un truc qui mènera à rien. Ah donc je suis tombé à... C'est fini quoi, quelle vie. Bon, je suis un peu trop foutu de sa gueule, je l'avoue. Hein. C'est un balayage. Je me fous un peu de sa gueule. Ça va commencer à se voir. C'est n'importe quoi, je voulais pas taper. J'y vais vraiment comme un gros gueux.
Elle est vraiment quand même gros dégueulasse. Oui, là c'est vers l'entrée du village des singes, donc pas du tout ce que je cherche. Il n'y a pas plus derrière le château que cette merde. Je suis triggered, je vais aller tabasser du poisson. On n'a pas pris les objets là-bas. Un truc pour s'accrocher ou pas? Ah non, faut que je gère ça de l'autre côté. On va faire ça. Je me réjouis avec de petites choses, de petites victoires. Faire une pause. Ok. Mais avant, ce loot incroyable qui va tous nous faire vibrer. Un morceau de fer. Et là, attendez juste... Là on rushait là, il se passait rien à part qu'à un moment il y avait des singes près de l'entrée. Voilà, genre ça, lui. Sauf que j'avais tout fait en stealth la dernière fois, je l'ai tué à... dans les buissons. Là on fait tout comme des gueux, mais écoutez, le résultat est le même. Hein. On arrive à... Non, pas du tout. Si, on arrive à ce point-là. Et Teng, le Tengu. Donc, c'est de la merde. On va s'en sortir à YouTube. Sinon, on se tape 1h20 de try sur le Yeti. Et là, quel plaisir. Des bisous.